les serviteurs Mario Gino de Bundes TV. Nous sommes rentrés encore pour vous présenter notre émission d'aujourd'hui. Alors, je vais vous éclaircir comment la situation ça se passe en Europe. Alors, vraiment, c'est catastrophique, quoi. C'est pas comme les gens pensent en Afrique. Alors, malheureusement, que vos sœurs, vos frères et sœurs vous envoient des photos qu'en Europe, il y a vraiment beaucoup d'argent, il y a bling bling partout. Alors, moi, je vous dirais que vraiment, c'est faux. Alors, il ne faut pas regarder les photos pour commenter, dire que non, vous êtes bien en Europe, alors il faut nous envoyer l'argent, nous sommes pas, on n'a rien, on fait rien, on n'a pas de boulot. Je vous dis ceci, mes frères, vous savez, l'Europe, le pays étranger que nous venons, alors c'est très difficile. Dès que tu viens à l'Europe, alors tu sais que tu n'as pas de parents, tu n'as pas de frères, tu n'as rien, cousin, tante, quoi là. Les choses là, c'est en Afrique. Quand tu as la famille, tout ça, tu sais que je vais aller chez ma tante, je vais aller chez tel qui va me donner l'argent. Mais ici là, c'est pas ce que vous pensez. Ici là, c'est tout se paye. Et tu ne peux pas, même si tu veux bouger les tickets, tu dois payer. Tu dois payer tout possible. Même de lettres. Tu veux envoyer la lettre, tu veux écrire quelque chose. Tout c'est payable. Alors, il ne faut pas avoir de penser que non, en Europe, il y a tout. Alors là, ils sont vraiment, ça tombe du ciel. Non, c'est pas ça. Vos sœurs qui viennent en Europe, vraiment, ils sont en train de souffrir. Vos frères qui viennent en Europe, ils sont en train de souffrir. Parce que si vous voyez les gens comment ils dorment, vous n'allez pas y croire. Vraiment, c'est très difficile. Tu viens d'arriver et tu ne sais rien. Comment commencer les choses? Si tu n'as pas le papier, tu ne peux pas te déplacer. Quand tu sors comme ça, on t'arrête, on te refoule. Alors tu dois rentrer chez toi. C'est très difficile. Vos sœurs et frères souffrent. Vous savez? Alors c'est ça que moi, je préférais mieux que quand on vous envoie quelque chose. Alors vous pouvez essayer de s'en sortir avec cet argent qu'on vous envoie. Parce qu'avec cet argent, tu peux multiplier ça. Et puis, tu ne payes pas le taxe comme ici, nous, on paye. Non. Là-bas, tu peux avoir 50$, 100$, on t'envoie. Alors, tu commences à multiplier dans 3, 4 ans, 5 ans. Alors, tu as beaucoup d'argent, mes potes. Alors, ici, vraiment, les gens souffrent. Alors, suivez notre sœur qui va vous éclaircir vraiment la situation qu'elle a passée ici. Vraiment, vous allez comprendre. Merci. Suivez. Je n'avais pas de maison, je dormais dans le garage de quelqu'un. La personne avait remarqué que je vivais dans son garage, mais ne m'avait pas chassé. Finalement, aujourd'hui, il a décidé de me laisser son grenier pour que je nettoie et que je puisse dormir là-bas permanemment et que j'ai au moins les toilettes pour me laver. Beaucoup ne le savent pas, tu vis dans un grenier. Tu travailles, tu n'as même pas encore les papiers. Tu envoies tes petits 50, 100 euros au pays. On simplifie, on te parle n'importe comment. Quand on t'appelle, au lieu de prendre de tes nouvelles, te saluer, on demande seulement l'argent. Oh, tel est malade, tu pensais que combien en il y a un arbre d'argent, combien pour que l'argent soit ça. Pensez aussi à nous, nous sommes aussi les enfants des gens. On travaille, notre argent, c'est pas pour envoyer au pays. Notre argent, c'est pour prendre aussi soin de nous. C'est pas notre faute si on leur demande l'argent. On voit des photos, quelqu'un envoie quelque chose pour quand même aider les autres. Et il croit qu'on a beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. Alors, je vous dirais ceci. Quand quelqu'un prend les photos, vous savez, les photos, c'est normal. Tu es quelque part, tu dois prendre aussi des photos, des souvenirs. Alors, ça c'est normal. Alors, il ne faut pas que les photos-là ou bien des vidéos vous trompent. Parce qu'ici, en Europe, où nous venons, vraiment, c'est très difficile. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui dorment même à l'arrêt. Il y a des gens même qui dorment dans le poubelle. Tu vois, il n'a pas de l'endroit pour aller. Alors, il va tout seulement emballer ses cartons. Alors, quelque part, il dort là-bas. Alors, c'est très difficile. Parce que quand vous croyez que non, bon, il est en Europe, il a beaucoup d'argent, il a des voitures. Vous savez, ici, des voitures, c'est très facile. Tu peux avoir une voiture, mais tu n'as pas l'endroit pour dormir. C'est comme ça en Europe. Tu as des habits, mais tu n'as pas l'endroit pour dormir. Beaucoup sont comme ça. Alors, il va saper, bien saper, puis habiller là. Tu vois des griffes, mais il n'a pas le papier. Il n'a pas l'endroit pour s'en sortir. Seulement, toujours, les gens font ça parce qu'ils voient que non, moi, si je me laisse comme ça, alors c'est vraiment ridicule. Alors, il faut quand même que je m'habille bien, je sors bien, j'ai une belle voiture. Alors, c'est ça les gens pensent. Chacun pense dans sa manière. Les autres pensent, ah, moi, si je trouve quelque chose, je rentre chez moi et puis pour investir, faire quelque chose, alors je vais m'en sortir. Les autres pensent, non, si je rentre aujourd'hui, j'ai emprunté l'argent d'autrui, de parents, j'ai emprunté l'argent d'autrui de M. Jock Lekin. Alors, je dois rembourser cet argent que je suis venu en Europe. Alors, il y a vraiment des choses là. Chacun a son histoire. Alors, il ne faut pas penser que quand tu viens en Europe, tu viens en Europe, tu as tout. Non, l'Europe, c'est la souffrance. C'est le commencement de la souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Photo dans les quatre coins du monde entier. Ici, c'est la page Florifis, le marketeur. Le préfet de la diaspora. J'aime trop la diaspora congolaise.
Voilà, c'est une grande surprise pour vous, Banapoto. Tu vois les gars que vous voyez là-bas? C'est un gars qui a fait plus de 20 ans en Europe, mais il se retrouve à Kinshasa, il se retrouve en Afrique. Grand prêtre Guicha, exprimez-vous, Banapoto Bazolandayo. Ouais, merci. Déjà, nous remercions Yomoko, Flori, en face de là. Flori, Flori, un pote, au Bayambinga, il y en a partout. De la part de Onos Limbambe. Prix Nobel de la SAP. Prix Nobel. Namoni au lati babilo omoko oyo bayoti ana moto la kisi ke bakabelinga muta kabelinga ngo esa pays pays za koto yo non et la kisi ke yo za muta forme en fait na linga ngo mingi mais biloko na na yete ouais biloko na na yete na zo remercier premièrement merci Flori ne wo yambinga na na souci émission de tout ça même deuxième jour na na choc je suis lipapou ne bolbara lipapou na na choc ne ne ba éviter na remercier Yemoko, prix Nobel de la SAP. Oh non, c'est l'imbambe. Oh non, c'est le plus beau. Fali koutoua lingi. Oh non, c'est. Oh non, c'est l'imbambe. Non, la joie, occasion beauté. Florim t'a décidé. Oh non, c'est l'imbambe. Ouais, parce que les vieux t'a donné les mots d'ordre. Bah, hébergé. On a palais. Hébergé. On a résidence privée. Naïe. Place lui-même les vieux ne reste pas il y a vanda à la terre mais après ça pena cadeau ba petit nanga ba tunanga boki de vanda kuna on aussi les mamelles c'est un exemple à suivre pour les mikilistes si qu'au grand prêtre Guicha comment tu t'es retrouvé en Afrique pendant après plus de 20 ans passé en Europe ouais na zone choc monene mais on remercie vous d'avoir fait ça na mbongo na lia mama legi na ngaga ya famille mama legi mado. Je remercie, je dis que vous avez fait un peu de temps, 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 Shakira. Avez fait un peu. Yo les gars, tous les musiciens au Kabila, tous les musiciens bambongo. Ozo Kabila na batu baleki mbongo. Héritier Wata, ça tout au Koutana. Shakira, très fort. Onos Limbambe, na choc prix Nobel. Na maman. Bon, ici je vois le vieux notre vieux Azolandayo. Quel est le message que tu peux lancer pour César César Loboko? César Loboko. Ah, na maman. César, il y a la rabbi la malanga. Aujourd'hui, au Kangisi. Les grands Mosengé. Les vieux Mosengé. Je vois ici le vieux. Non, les là. Je vois ici le vieux Magloire Panda Tessali. Alobi, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui a fait à ce que Ozala, en Afrique, les lots? Parce que Nakin, Kinshasa, c'est notre capitale. Le Congo, c'est notre cher beau pays. Mais comment ça s'est fait? Que on s'est retrouvé encore na kin netina lifelo yozaki déjà on dirait na paradis et sera un choc na kasi na no sanga bat ba 200 euros ba 200 euros to lire na journée pour na foutre avocat na zaki na parce que ba jolie mayala la première dame de Bandalunga ba ola jolie mayala très fort la dame la plus dame expliquez kana yo kana ngeza boye ma jolie mes respects na choc na kasi na li raté mutale saranga yo sous Florina semeki on venait de vous éclaircir alors vraiment j'aimerais mieux que si tu as ton pognon tu veux t'investir tu veux faire des choses alors il faut faire ça là où tu es alors si tu es en Afrique alors investis toi en Afrique. Alors, si tu veux venir en Europe aussi, alors c'est bien, mais il faut avoir du pognon, il faut avoir vraiment les idées. Et puis, je sais que ça ira très bien. Alors, si tu penses seulement que non, moi, mon frère va m'envoyer seulement avant que je puisse m'en sortir, non, c'est pas ça. Tu as ton pognon, collaborer avec ton frère qui est en Europe ou bien par-ci, par-là, alors à l'étranger, le pays étranger. Alors, vous allez collaborer ensemble et travailler ensemble et vous verrez que les choses vont bien marcher. Alors, si tu as le système là seulement de bouffer l'argent, tu veux qu'on t'envoie ou bien ton frère envoie l'argent pour construire sa maison et puis quelque chose, toi tu bouffes ça ou bien ton frère arrive, toi tu vas prendre ses histoires pour dire que non ça c'est pas pour toi, c'est pour moi et puis faire des mauvaises choses, aller combattre ou bien accuser ton frère dans les choses qui est
qui n'est pas normal. Alors ça, c'est pas bien. Il faut vraiment avoir les idées et puis collaborer avec ton frère et puis vous pousser faire des bis ensemble. Alors vous verrez que Dieu va vous aider. Alors vous allez aboutir vraiment bien et puis aller très loin. C'est ça. Alors si vous pensez seulement que non, c'est l'Europe. Alors si j'arrive là-bas, je vais m'en sortir. C'est très difficile. Vous avez suivi votre cercle, c'est qu'il vous a éclairci. Alors c'est très difficile. Il y a des gens qui dorment dans les poubelles, il y a des gens qui dorment dans les garages, il y a des gens qui dorment dans le bon, là où les gens ne peuvent pas dormir. Alors vous avez suivi, vraiment c'est très 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 important de mettre ça à la tête. C'est pas seulement quelqu'un va venir vous mentir que non, là-bas c'est bien, ça tombe du ciel. Non, tu peux venir à tout moment. Si tu as ton pognon, tu viens, tu prends ton visa, tu peux venir. Alors c'est pas le système des cascades là pour venir en Europe. Il y a beaucoup de gens qui sont partis comme ça et vous attendez toujours que notre frère est parti en Europe jusqu'au jour de peut-être il est déjà mort. Alors vous allez mettre seulement à la tête que non, on a quelqu'un, mais il est déjà parti. Alors il ne faut pas penser toujours comme ça. Il faut vraiment faire un effort. Même si on t'envoie quelque chose, même 50 dollars, ça, tu peux mettre, tu fais du business, quoi. Tu commences à s'en sortir, tu achètes d'autres choses et puis revendre et puis ça aboutit lentement. Et puis, il y a des gens qui sont vraiment des millionnaires aujourd'hui. Ils ont commencé avec combien? C'est un peu d'argent que ça va aboutir et puis tu vas voir que non, Dieu aussi va t'aider. Alors, si vous pensez seulement de mauvaises choses, de scroquer les choses de ton frère, ta sœur, alors je sais que vous êtes, ce que vous faites là, vous allez payer ça. Tout s'est payé ici-bas. Alors, soyez découragés. On est ensemble. Alors, n'oubliez pas de s'abonner à Mayo Gino de Bundes TV. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Mayo Gino de Bundes TV. Vous ne serez pas déçus. Allez, à la bye-bye. Mayo Gino de Bundes TV. Bonsoir. Pas ton petit